chauffe déjà le four une première fois. Le jour même, on le chauffe une deuxième fois le matin. Et ensuite, on le rechauffe une fois juste avant midi pour que le four soit opérationnel pour mettre les pains dans le four en début d'après-midi. Donc on chauffe le four à environ 400 degrés. Lorsqu'on sort les braises et que le four est nettoyé, on le nettoie avec une panneuse pour enlever les cendres. Le four doit descendre à environ 320-340 degrés. À l'origine, c'était un four banal. Chaque famille faisait le pain une fois par mois. Alors, si tu veux, ils allumaient le feu. Il y avait la première famille qui était responsable de chauffer le four. Eux, ils commençaient au début, ils prenaient le bois pour chauffer le four. Et après, les autres familles suivaient derrière. Et puis, un mois plus tard, c'était une autre famille qui allumait. Puis les autres suivaient derrière. Ils faisaient des pains de 2 kilos, puis ils les mettaient dans des râteliers séchés. Et puis ils employaient pendant tout le mois. Quoi. Donc ce qui se passe, c'est qu'on met les pains dans le four, on les laisse cuire environ 45 minutes. En gros, sur le week-end, on fait 7 cuites de pain, ce qui équivaut à environ 650-700 pains. Donc pain et cressin. Donc si on sépare, ça fait environ 400 pains et 300 cressins sur le week-end. En 88, on a repris le four à l'ancien confortage. Quoi. Et on a retapé les murs, on a refait l'intérieur du four. Et puis on a lancé la société. On était une quinzaine au début. Maintenant, je crois qu'on est autour des 30. Petit à petit, il y a des nouveaux qui se sont mis. Et on a continué la fabrication du pain. Nous, on a repris ça pour une société pour faire vivre un peu le village.